J't'ai tendu la main quand pour toi c'était tendu. C'est le mariage pour le faire que j'attendais, moi. Mais bon, t'as vu comme si j'existais pas. Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vlog. Ça va pas bien. Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ils vont pas bien. Là, on a un petit vlog, on est à Montpellier. Pour l'événement qui est pas fou, voilà, on va pas se cacher, l'événement est pas fou. Je suis avec Atosh. J'ai pété dans ta chambre. Ah ouais? Attends. Non, arrête, arrête, arrête! Eva! C'est vrai ou c'est faux? Hein? C'est vrai ou c'est faux? Ça pue le cactus, les. Ouais, du coup, là, on n'est pas tous réunis, il y a juste Toto chez CS, parce que Moby et Loli. Moby s'est pas réveillé deux fois. Moby s'est pas réveillé deux fois. Ça, c'est pour Moby, ça. Dernière fois, j'invite Moby. Ça, c'est pour Moby, ça. Dernière fois, j'invite Moby. Ça, c'est pour Moby, ça. On va flouter ça. Voilà, tiens. On a pris un Airbnb, c'est Poudlard. Guettez. Bref, du coup, là, il est 21h30, quoi. Du coup, on va faire les courses. Parce que ouais. Chess, il a oublié d'acheter des trucs, là. On va acheter quoi? Du lait. Tu restes après, hein. Ça dépend quel lait. Si c'est du lait végétal, je reviens. Mais si c'est du lait grévé, je... On parle de gens qui achètent du lait et qui reviennent pas. Ouais. Ah ouais, mon daron. Alors, mais si c'est du lait végétal, on peut revenir, par contre. Parce que, ah ouais? Bah oui. Ah. C'est une exception. Oh non, l'ouverture de la porte, c'est que comme ça. C'est hyper. Un clip, là. En mode drone, le plan drone, J'ai mangé sandwich, mais je mets pas de mayonnaise. Parce que moi, ce que j'aime, c'est mettre de la sauce du chef. Wesh. Ouais. Les gars, quand vous voyez cette vidéo, j'ai eu mon permis. Ouais, j'ai eu mon permis, ouais. On a pas dit tout dit. Là, du coup, là, on va acheter une voiture, là. Hein, là, on va acheter une voiture. Le Carrefour. Ah, on va pas acheter de ville. Là-bas, ouais, il y a un bouc par terre. Ouais, il m'a fait peur. On peut noter la ville sur 20, s'il vous plaît. Montpellier, regardez, ça c'est le plus grand magasin, ça. Il y a pas de Carrefour. Ça doit être à peu près ça. Bon, t'as Carrefour, c'est du partenariat, les gars, si vous voulez payer. Hein? Vous voulez pas un petit panier? Panier piano, panier piano. Vas-y, c'est le panier piano, panier. J'aime pas le dire. Et il y a des... Panier, panio. Ça, c'est trop bon, ça. Tu peux mettre ton code, tu peux faire ton code. Par pitié, ça, les gars, ça, c'est le goût du café. Sucre max. Heureusement, ça prend la carte, parce qu'il voulait qu'on le dépanne des pièces et j'ai failli dépenser 30 centimes. Le rat en action. C'est un ouf, 30 centimes, il demande qu'il y a des pièces. Paye, toi. Au pire, fais même la manche, en 3 minutes, tu les as. Je te jure, en 3 minutes, il a 30 centimes. S'il vous plaît, en fait, ça, les pièces, il faut des pièces. Attends, je vais voir si j'ai des pièces. En plus, tu fais quoi, la fin? Oh, bah, t'en as plein, je sais pas. C'est combien? 75. Ah, c'est cher. Ça plaît, c'est cher, le café. J'ai 1 euro. Ça rend la monnaie ou pas? Non. Oui, oui. T'as pas dit ça avait pas rendu la monnaie? Hein? T'as pas dit ça avait pas rendu la monnaie? Si, c'est tombé là. Oui. C'est la monnaie HS, Attends, mais c'est la monnaie HS, moi, wesh. Ouais, mais attends, je vais aller le voir. Hein? Et je suis là. C'est lui. C'est lui qui a fait tomber ta pièce. Tiens, tu veux que je veux le voir? Ah là là. Mais en plus, attends, pourquoi il y a 30 centimes alors que le café était à 75 centimes? J'avoue. En fait, je crois que c'est carrément lui, il a modifié le prix carrément. Effet Stana Carbonara. Attends, je vais faire un TikTok sur mon compte spam. Voilà, après, tu vas gagner 8000 euros. C'est comme ça qu'il gagne sa vie en fait, Totoche. Il fait un TikTok 8000 euros cash. Moi, je peux faire balance. Là, je cherche chaise, je suis sûr, il est en train de regarder encore des trucs bio. Regardez, hein. Regardez, chaise, je vais le voir, il cherche des trucs bio ou des trucs healthy ou des trucs bien sucrés. Tu cherches quoi? Ah, dans ma tête, tu cherches des trucs bio aussi. Oh non? Moi? Ah, t'es un monstre, toi. C'est un monstre. C'est quoi? Quand je bois ça, un pisse, regarde, c'est le monstre punch. Moby, t'as osé mettre ça? En quoi? Il a mis ça en QB, en dégueulasse. C'est l'oni aussi. C'est l'oni aussi. Non, je suis désolé, c'est bon. Non, c'est bon sans plus. C'est, bah, voilà, à la limite, bon sans plus, ouais, mais bon, tu mets pas ça en dégueulasse, je suis désolé. Non, on a fait des courses d'enfants de 12 ans. Y'a que moi, j'ai pris de l'eau, ma gueule. Regardez-vous. Salade César. Je fais de l'art plastique, bon, c'est Mézard. Waouh. J'aime bien César. Verso Timal, aimé Césaire. Ouh. Wow. Elle est mignonne, j'ai aimé Césaire. Oh. Aimé Césaire. Waouh. Get mon crâne, mal Tézère. Elle a des grosses miches. C'est l'heure du goûter. Il est 16h. César. Elle est dans son placard, il disait, qu'est-ce que je vais manger? Honnêtement, vous savez pas, Chess, quand il était jeune, enfin vers 21 ans et tout, il avait emménagé dans un appart. Les gens, on a dit qu'il avait pas de thème. Tous les jours. Il a pris l'appart, ça l'a ruiné, il avait pas de meubles, trop de meubles, tout ça. Tous les jours, riz. C'est pour ça qu'il est musclé, il riz poulet tout le temps.
Il avait fou la de protéines. On est le retour de la gare, il avait ça devant lui. Comme ça. Haricots verts, petit pois. Que des boîtes de conserve. Oh non. Parce que vous savez pas, quand il a commencé les réseaux à bien marcher, tout ça, Jean Vert, il l'a contacté direct. Je lui ai dit, wesh, toi t'es équipé. Ah, il est là. Regarde, tu vois, c'est ça, c'est fait, ça, tu sens. Ça sent les petits pois carottes. Chaise, quand tu l'as emménagé chez lui, il avait pas de canapé, il avait une chaise qui est sur. Mais c'est grave confortable. Oh. Hey, les vrais savent, hey, les chaises camping que je crois, elles sont grave confortables. Attends, mais dis-nous, c'était quoi ta table pour manger, pitié. Non, en vrai de vrai, en plus j'ai mis ça bien parce que du coup, j'ai mis 4 boîtes de conserve pour la surélever. Du coup, j'ai pris la boîte de mon four micro-ondes. Mais non, en soi, d'une table, c'est quoi? C'est de poser. Là, ça te. Frère, ma gueule, au lieu d'acheter un micro-ondes et des boîtes de conserve, c'est une table, frère. Ah, mais non, mange quoi? Mais non, parce que je mange quoi sur la table? On imagine, c'est posé comme ça. Ouais, on allait dans un autre Airbnb. Le même style, mais là, on sait plus de la sorcellerie. On a un Nordex. Oh putain. En bas, il y a des prisonniers. En bas, il y a des prisonniers en bas. T'as entendu? C'est pas moi. C'est pas moi. C'est toi? C'est toi? C'est toi? Satan? Quoi? Satan? Sa tante? Sa tante? Ça me tente. Ça me tente quoi? Ça m'excite. Ça suce ou quoi? Ça c'est quoi les pires gars en soirée? C'est ceux qui veulent faire des actions vérité avec des go. Il dit action vérité, action. Vas-y, fais-moi un bisou. Viens avec moi. C'est quoi ta limite? Viens avec moi 10 minutes dans la chambre. Vérité. Je lui saute sur moi. J'ai dit vérité, bah c'est la vérité. Action ou vérité, vérité. T'aurais dit quoi si j'aurais dit action? C'est le mec. Il y a trop de trucs. Vérité. Est-ce que t'as envie de baiser? Vérité, est-ce que tu t'as prise dans le cul? Ça c'est trop vérité. Oh non. Il vient d'arriver, première question. Personne n'a vu encore. Oh purée. Non, parce qu'il a dit pour vérifier le truc de la prostate, il faut se prendre dans le cul. Mettre un doigt dans les fesses. Ouais. Mais wesh. Mon caca il est plus gros que mon doigt, ça veut dire il y a déjà des. T'as capté? Genre en gros un doigt c'est une formalité quoi. Des fois tu lâches des gros caca non? Genre lui des fois il sort le cul, sa main elle rentre. Sans faire exprès. Ouf là. Donc Chess m'a dit que le jus de pomme était l'une des meilleures boissons. Le jus de pomme c'est goat. Alors là du coup on part sur une dégustation. Après c'est pas le meilleur jus de pomme. Le meilleur jus de pomme bio c'est vraiment quand tu vas chez le. Tu vois chez le. Comment dire? Le buraliste. Qui a pas compris. Là, on peut croire que même c'est de l'eau sale, on peut même croire que c'est l'eau des pieds. Mais l'eau, elle est dégueulasse. Ça, c'est les influenceuses qui vendent l'eau du bain. Ça sent le pomme. Ça sent le pomme. Ça sent le pomme. Regarde, sans le. Faut le renifler d'abord. C'est vrai que ça sent la pomme. Ça sent la compote. Vraiment, exactement, ça sent la vraie pomme. Là, tu vas voir, c'est pas le même jus de pomme que tu bois, le transparent et le translucide. Pardon. Voilà, regarde. Hein. C'est pas le même, il y a moins de sucre, je trouve. Il y a moins de sucre, mais goûte-le bien. Et maintenant, dis-moi ce que t'en penses. Surcoté. Non, je t'ai dit, dis-moi ce que t'en penses par rapport au jus de pomme normal. C'est bon, mais je trouve qu'il y a pas une différence, mais ça reste toujours le même goût. Donc pour toi, c'est au même niveau que le jus de pomme normal. Celui-là, il rafraîchit mieux. Oui, depuis qu'il a essayé de pousser sa barre, moi, je dis radicaliste de toute façon. Ça y est. Bon, on a fini de manger. On va décaler dehors. On va vous montrer le centre-ville de Montpellier et tout. En même temps, je vais tourner un micro-trottoir, ça va être drôle. Comme ça, après ou avant cette vidéo, il y aura le micro-trottoir à Montpellier. Vas-y, go. Chess, pour combien tu veux dans le vélo? 2. 1, 2, 3, 1. Mais c'est un tricheur, il a fait 3, c'est un tricheur, lui, il triche. Depuis qu'on est à Montpellier, je le jure, on a croisé 2 noirs. Donc fais pas ça. Mais pourquoi tu. Y'a pas beaucoup de renoms ici. Si, regarde à l'arrêt de bus là. Tu sais, c'est quoi l'histoire de Montpellier? Ouais. C'est un gars qui s'appelait Edson Montpellier. Et genre, il est arrivé, t'as vu Montpellier, il y a beaucoup de boss, des montées, des descentes et tout. Ouais. Et c'est lui, il a tout construit. Il a dit, vas-y, on va poser ça là, ça là, ça là. Et en fait, il est mort, ils ont fait une statue de lui là-bas. Là. Ça s'appelle pas Donovan? Non, c'est Donovan. En fait, tu vois, dans la statue, il voilà. Y a un. Il y a un petit. Donovan, c'est le petit, Edson, c'est le grand. Ah, parce que le petit, il donne au van. Exactement. Nîmes, c'est Donovan, il a construit Nîmes et Edson, il a construit Montpellier. Ça doit être ça. Pour combien tu mets ta tête dans l'eau là? Pour 10. 1, 2, 3, 4.
Attends, il va. Attends. En fait, je peux pas. En fait, c'est mouillé, ouais. Non, c'est mouillé. C'est mouillé. Ah, c'est bon. Seigneur, je joue plus jamais avec moi. Oh non, je joue plus. J'ai pas perdu. C'est que le début. J'ai la rage. C'est bon, ça m'a rafraîchi, frère. Non, dommage, j'avais personne. Il y avait un couple derrière, là. Regardez, trop mal. Moi, j'avais une question. Imagine, Evan, par exemple, tu meurs. Ouais. Genre cette nuit là tu dors, il y a un quelqu'un qui te met un coussin sur la tête et tu t'étouffes en mode. Genre toi t'as mis le coussin sur toi, tu t'étouffes. Ta chaîne ouais. YouTube, est-ce que tu nous la donnes? Je la garde pour ça. Mais si t'es mort, t'en as pas besoin. Parce que Chess, t'es d'accord avec moi, Chess. Ouais. Si on a la chaîne d'Evan, on va prendre soin et tout, tu vois. Ouais, bien sûr, on va s'en occuper. Oui, mais c'est ma chaîne, donc vous n'allez pas plus sortir de vidéos. Non, le truc, c'est que garde. On renomme Chess et Totoche. Vous avez déjà une chaîne YouTube chacun? Oui, comme ça on a une chaîne commune. À trois. Moi après je disparais. Non. Mais tout l'argent que j'ai cumulé là, mes 50 000 euros qui sont sur mon compte. Bah ça, tu vois, on l'utilise pour Chess et Totoche. On crée une fondation. Exactement. Ça s'appelle comment? Bah Chess et Totoche. Et si vous faites quoi? Vous défendez quoi? On fait de l'argent pour toi. Mais je suis mort. Oui, comme ça on fait de la. Comme ça tu récupères après et réfléchis. Ah vous êtes. Mais pourquoi je devrais mourir cette nuit sachant qu'on dort dans la. Ah je sais pas, mal augure, non? On dort dans le même appartement là. Donc ça va m'étouffer avec un. Vas-y, passe plus. Hein? Arrête de poser des questions. Vas-y, passe. Ouais, entre. Vas-y. Ouais. Il fait tout noir hein. Ouais, non, c'est trop là. Il y a pas de courant. Non, reste là, t'inquiète, je vais m'occuper. Vas-y. C'est bon, il est mort. Je croyais que j'étais mort chez ça. Ouais, ça y est, j'ai allumé la lumière, ça y est, c'est fini. Putain, t'as niqué l'ambiance. Vas-y, pars. On va le tuer ce soir, riche. Ma tête. J'ai envie de chier, why? Il a cuté le vlog. Non, mais c'est la nature. En fait, tu vois, nous, c'est des vlogs nature. Ouais, c'est ça. On cache rien aux abonnés. C'est-à-dire, même là, quand il va faire caca, j'ai filmé pour vous montrer comment il va faire caca. Moi, ma copine, si je la vois faire caca, je la quitte. Ah non, elle fait caca, ta copine? Non, je vais merci. Moi, elle touche à bille. Quoi? Bon, les gars, j'ai une question pour vous. Au bout de combien de temps vous pouvez péter à côté de votre meuf? Gros, une semaine. Et c'est réel. Une semaine, c'est ton temps d'adaptation. Je fais un peu discret, comme ça, sans l'odeur. Elle rigole tout. Et après, genre, un jour après, je fais un gros pé. Moi, en vrai, j'ai pas encore pété devant meuf, mais je peux le faire, je peux péter la gueule. Moi, j'ai envie de péter ça, tu veux tirer dans ton ventre? On m'en fout de péter devant sa tête ou pas? Je te jure. Oh. T'as qui a pété? T'as pété? C'est qui a pété? Wesh! 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 Qui a pété là? La dinguerie! Wesh! Wow! Chess! Viens, tu vas rester à l'air! Chess! Non! J'ai pété, ça pue! Je pleure! Mais l'odeur qui est sortie de mon cul! Oh putain! Il a pété, direct l'odeur est sortie. Wesh, normalement l'odeur elle se dilate dans l'air, wesh. C'est mon cul qui s'est dilaté là, mon gars. Ouh. Les gars, là on est rentré, il est minuit 6. Là je pense qu'on va dormir, ça veut dire on se voit demain. Demain ça va être une journée pleine de remodissements, ça va être drôle. Ouais. Voilà, je vais les dire bonne nuit. C'est le mec pas original. C'est le mec recommandé. Bisous, à demain. Bon les gars, là on est lendemain, on est dimanche, là on va retourner à l'événement parce que la Totoche et Chess vont faire une confession, c'est ça? Une confession? Conférence. Ouais, conférence. On va faire une conférence et tout. Moi je serai dans le public, je vais la regarder parce que je suis pas invité comme d'habitude. C'est un abonné qui nous emmène là-bas? Ouais. Oui, un abonné très gentil de sa part, on va le voir juste après. Il s'appelle Balou. Balou? Bon, on va aller voir Balou, il va nous emmener en voiture. Et c'est parti, on vous montre ça. Ouais. Chess? Ouais. La communauté veut te voir. C'est grave faux, mais bon. T'es habillé? Parce que Chess il se balade tout nu dans le truc. Vous voyez, c'est important. Quand vous mettez la crème, c'est pas mais ça comme ça. Non, faut masser le visage en même temps, comme ça, ça remonte. Tu vois le regard vers le haut. Tu masses le visage. Tu peux me mettre un petit peu. Comme ça. Est-ce que tu peux me mettre un petit peu sur le visage? Tu vois, tu masses le visage comme ça. Tu vois. Ah, mais là, ça pénètre. Tu vois. Tu vois, et là, t'as les étirés. Ah ouais. Dire un Blasian light skin, tu vois. Ah ouais, là, je suis un Blasian là. Wow. Très bel garçon. Merci. Très bel garçon. Oh, putain, j'avais bougé où? Là, puis qu'il va te faire repasser dans le Airbnb, ouais. Je vais vous montrer la technique. J'ai mis à chauffer une poêle. Tu mens. J'ai mis à chauffer une poêle, mais en vrai, c'est pareil, c'est du fer, c'est du métal. Tu prends du métal chaud, tu poses ton t-shirt comme ça. C'est ghetto. Ah, t'as vraiment connu les boîtes de conserve, hein. Tu vois. Hop, plaque chaude. Tu refroidis un petit peu. Okay. Et après, tu passes un petit coup comme ça. Tu vois, ça défroisse ton t-shirt. Tu vois, hop. Mais t'es un génie, c'est tout court. Bien sûr. Attends, t'as appris ça tout seul ou? Non, bah oui, mais j'ai réfléchi en fait. Mais en fait, la pauvreté, en fait, t'es léger. Depuis hier soir, j'ai réfléchi. Il a fait affaire repasser qu'une casserole. Mais c'est vrai qu'il est un génie. C'est vrai qu'il est un génie. Trop de balles. Je trouve des mouchoirs à côté de ton lit.
Non, je me suis pas pogné. Par contre, c'est Kikaï ici. Bélé Kikaï s'est mouché. Non, je me suis pas pogné. Elle s'est levée, t'as vu que j'ai vu qu'il y avait des mouchoirs, elle a fait « Wesh, c'est qui a mis ça à côté de mon lit ?» Devant Dieu, tu vas mettre ça dans ton vlog, parce que nous, c'est vrai que j'ai mis les mouchoirs. Elle va faire fondre. Et nous, on cherchait les clés. Les clés, c'est les clés sur la porte. Ça veut dire on a... Attends, non, là, attends, il est où, mon ordi? Vas-y, appelle, on y va, là. On arrive. Oui, c'est dingue. Non, ça, c'est votre faute. Moi, cette nuit, j'ai senti quelqu'un me toucher les fesses. Je sais pas si quelqu'un s'est introduit dans la patte, toi. Théo. Pas le conducteur. Ok. Yanis. Le conducteur du coup. Ok, bah enchanté. Ouais, genre j'ai eu mon permis hier. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai ou non? C'est vrai. Tu veux conduire ou pas? Non. Allez, c'est parti, let's go. Bah là, du coup, ce qui est cool, c'est qu'on a la mort de Toto en direct. On a la mort de Toto en direct. Et de Yanis, attends, mais il faut l'honorer quand même. Ouais, c'est vrai. Ils sont deux à mourir ce soir. Pas aujourd'hui. Bon, bah salut les gars, on se revoit de l'autre côté. On se revoit. Peut-être ici, hein. On se revoit. La pédale tout à droite, oui, ça je connais. L'accélérateur, le milieu c'est le frein. Okay. Le frein surtout, important le frein. Et tu vas plus doucement quand tu freines. Ah ouais, non, sinon non, on va. Il savait conduire, il s'est même pas embrayé cet enfoiré. Mais à gauche. Si, j'ai embrayé, juste embrayé. En gros là, j'embraye, j'enlève le frein à main. Embrayé d'abord. C'est ça, non? Vas-y, embrayé. Toto, je t'ai jamais conduit. Je préfère le dire. Franchement, tu le sens comment là? Déjà, il a dit que ça savait conduire, ouais. Il s'est pas embrayé. C'est ça, c'est, y a c'est un... ça. C'est ça, moi, c'est ça mon problème. Il y a un très gros souci là. Aïe. Ça part. Oh putain. Il est chaud, ça va, il s'est déjà. Il s'est déjà avancé, il a juste lâché l'embrayage là, ouais, c'est bon. Ça. Il a calé. Oh là là. J'ai dit quoi, il a calé, j'allais dire quoi, il a calé. T'as vu, j'ai bien conduit, wesh. Ouais, ça va. Eh, va, si tu cales, oh non, j'ai pas chier. Oui. Il a le permis, hein, tu sais. Ouais, normalement, c'est bon. Oui, c'est le mec, hein. Vous avez vu comment j'ai conduit? Je suis un pilote de course. J'ai eu mon permis tout à l'heure, enfin hier. Let's go, du coup, là, c'est mon arrivée. T'as vu ici? Tous les jeux, je les prends en V1. FIFA, Warzone, Fall Guys. Tous les trucs, je les prends en V1. Là, il y a Chaz derrière la caméra. Lui aussi, je le prends en V1. Sauf à la bagarre. Mais ça coûte quand même. Ça va signer LeBron James. LeBron James. Yeah. Toi, chef. Toi aussi, tu me signer? Vas-y, je te prends, t'inquiète, chef. Vous avez hier sur Montpellier, il était 22h. Ah, il était bien tard, chef. Let's go, on a fait des petites photos, on a fait des petites tof. L'odeur de la chambre, j'imagine pas. Waouh. J'imagine pas. Tu m'étonnes, ils se lavent pas. On est des stars en fait, là on a percé, tout le monde nous demande des photos sans arrêt, on peut pas marcher 2 secondes. Vas-y les gars. C'est bien, c'est que du love. Moi faut mettre du dématifiant comme ça, mon front il brille pas. Moi j'ai besoin de rien, regarde comment je suis frais. Miskin. Là ils vont se faire maquiller. Non, moi je me fais pas maquiller. Si toi rouge à lèvres et tout en bien, non? Non, moi je peux pas. Rouge à lèvres. Alors là, du coup, là, en gros, ce qu'elle va lui faire, du coup, elle va lui faire une base. D'accord? On va chercher une teinte qui correspond à sa carnation. C'est mignon, quand même, c'est vrai. Mais c'est pas fini? Mais c'est quel début, justement, t'es déjà mignon. Est-ce que vous avez de quoi étoffer, genre la moustache et tout? Non, mais pas disparaître. Non, étoffer la moustache. Là, tu veux la mettre? Ouais, en plus. Alors, moi, je veux celui-ci. Celui-là? Qui a un bon contour avec. N'oubliez pas les frères, toujours kawaiiné, toujours cute. Tout ça c'est dans le public, il y a Totoche et Cesse, ils vont monter sur scène là. Totoche. Il y a le fan club de Totoche tout de suite, hein. Salut. Totoche. Hello. Salut. Cesse. Pas de stresser. Cesse. Sèche, c'est pas le bon sur. Sèche est bien aussi, Sèche. Bonjour. Je l'appelle Cesse. Je m'appelle Sèche. Vas-y, ton ressenti, c'est comment? Bah, c'était très bien, c'était ma première scène. J'ai gagné le trophée pour le film. Mon film va être en production dans un mois. Ça s'appelle comment? Sur l'île des cocotiers. Ok, très bien. Oh là là. C'est qui là-haut? C'est moi. Oh, oh, en bien gain. Oh là là. Oh là là. Wesh, tu vas me lever, wesh. Oh, c'est une casama. C'est une casama. Oh, allez, les mains. Ah. Chess, assieds-toi. Ah, let's go.
Voilà, on est sorti, c'est bon. Je l'ai bien lavé à Tenkaichi. Non, pas de preuve, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve. Diesel, on a fini. Là, on va rentrer, on va, je sais pas ce qu'on va faire. Et voilà. Je t'ai lavé tout court aussi tout à l'heure, quand. Bah, ce matin, je t'ai lavé. Là, on va décaler, on va continuer le vlog dehors. C'est notre dernière soirée, entre guillemets, à Montpellier. Je vais en profiter pour faire le micro-trottoir. Oh. Freestyle dans le miroir, pao. J'ai mon gun dans le tiroir, pao. Quand je griffe, je dis Bref, les gars, un conseil. Comme Chess l'avait dit dans le vlog, le dernier vlog que j'ai fait, aimez-vous. Hein. J'ai besoin de me poupou. Faut que tu m'aides. Je vais me poupou, niet. Qu'est-ce qui sort de ma bite? Bah, niet. C'est qui dans le milieu? Ah, mais là, en fait, c'est que des magasins, je viens de capter. Wow. En fait, c'est le Champs-Élysées de Montpellier. Que des magasins. Elle m'a dit, je suis BG, je lui ai dit que tu gazins. Là, faut lire les noms de magasins avec l'accent japonais. Ok, vas-y. Tchabo. 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 Oh. Sito Soporato. Hortense. Hortense. Ouais, Deli, il est chaud. Hortense. Chapo. Il est sur ton roger. Qui est sur ton roger? C'est pour elle. J'ai pris l'accent russe. Marion Gambare. Gambare, Mina. Sura ta fou. On s'est trouvé un petit resto. Ouais. On va manger parce qu'on a faim. Toto, j'avais faim et ça casse la tête depuis. Hey, on va manger. Non, ils mangent jamais, mec. Nous, vous mangez jamais. Vous êtes des asticots. Donc, on vous laisse, on se retrouve après. Non, c'est mon vlog, c'est le tien, j'ai la rage. Vas-y, fais toute la vidéo, dis abonnez-vous et tout. Bah oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et celle de Chantosh. Ouais, bah oui, bah oui. Bon, moi j'ai 100k maintenant. Et ça fait juste ici sa chaîne et la mienne juste ici aussi. Abonnez-vous à leur chaîne, mais d'abord à la mienne. Donc, du coup, c'est bon, on a pris une pizza. Moi j'ai pris une Toscane sans pepperoni. Et bon miel. Il a pas mal. Et après, j'ai pris un Diabolo fraise. Il a pas mal, c'est bon. Et un mangue et Toto Diablo. Voilà. On a fini de manger. Devinez qui est le plus raciste. J'ai des assiettes. Ouais, par KO. Moi je suis pas raciste. Totoche. Croûte. 10 croûtes, ça c'est un raciste. En fait, ça c'est les. Wesh, les croûtes ça a pas de goût, ma gueule. Non, tu manges les. Moi en fait, il me reste pas parce que. J'avoue. Non, c'est sec, ma gueule. Les croûtes, tu manges non, pas. Non, mais en vrai, si tu manges bien, c'est beaucoup. Mais comment ça, tu manges bien? En fait, tu sais, les croûtes, c'est pour tenir. Bon, on est sorti du resto. Franchement, vous mettez combien sur le note? Franchement, moi ce que j'ai mangé, on va dire, je mettrai un 7,5 pour un bon 8. Pour ce que j'ai mangé en tout cas. 8 parce que j'étais en mode compagnie. Moi je mets l'ambiance et tout, en vrai je mets un 7,5 mais pas plus. Tu veux faire genre je parle anglais, tu veux faire la voix française? Vas-y. Hello guy now. Salut les gars. So we are in people in Montpellier. Yeah, so. A lot of people like this here, my man. Non, c'est mon pote. Hey, c'est meilleur ami. That's my don. C'est meilleur ami, il s'appelle Donovan. Yes sir, and then the skirt skate was working in Montpellier. Hier soir je viens d'arriver. Yeah, so shut the fuck up, you know my car. T'es toi, t'es fou quand tu vois des maçons. Oh yeah, my G. Hey, shut the fuck up, big ass bird. C'est toi, regarde. Oh yeah, you want to fight me? Why you fight me? I can't fight, boy. Déshabille-toi, montre-moi tes seins. Allez, c'est ça, mets-toi tout nu. Ouais, j'aime bien quand t'es tout nu. Fight me? Fight me, boy. Come on, boy. Fuck you, man. Hold on. Stupid, man. Imbécile. I'm so smart. Stupid, boy. Je suis trop. Crack. On y a maman. Ta mère est partie. Elle a voulu croquer la pomme, on se retrouve en enfer. J'ai besoin de manger des vitamines et du fer. J'ai des big dreams solides, je suis fort rêveur. Les burgers de papa. Tu vas aller voir s'il est là. Mon père. Est-ce qu'il est bien ce pétrole? Vas-y. Va voir. Sûr? Oui, va voir. Vas-y. Vous partez pas? Non. T'inquiète. Vas-y. Quoi? T'aimes pas les noirs, Chicks? Wesh, c'est un plaisir, la vie. T'es un ouf, toi? Non. Femme et Ben. BLM. J'ai pas dit j'aime pas les noirs. J'ai dit j'aime pas les noirs. La souplissant. Sale menteur. T'as dit t'aimes pas les noirs. T'es raciste. Ouais, oh non. J'étais d'accord avec Chicks. Quoi? Hein? Attends, tu filmes? Ouais. J'aime pas les Nords, hein. Pff, la lessive là. Mon patelin là. Ma ville. T'es allé dans ma ville? En ça, je suis bien, non? Ouais, j'aime bien. Mamma mia. Oh, le fils de pute. Eh, tu mets pas. Mets pas. Non, dans le vlog, tu dis pas. Mais... Non, si, non, je le bip. De toute façon, en vrai, qui va les foutre? Mamma
mamie. Toto, t'es pas dedans, je suis toujours, ils sont fous. Ils sont devant ma résidence, je suis pas chez moi. Ils disent, descends, descends. Elles sont dans ta résidence. Ah, ok. Voilà, que j'ai. Oh, mamie. T'es une ville de fou, hein. C'est pas pour toi. Bon les gars, on vous laisse. Bisous, moi c'est la fin que vous me voyez parce que demain je pars avant tout le monde. Là du coup les gars, nous on va aller se préparer pour aller dormir et tout. Demain on prend le train avec Tetoche et j'arrêterai le vlog demain du coup. Ouais, ok. Chant. Bisous. Bon les gars, c'est le jour du départ. Finalement je vais pas vous snapper dans le train, on est fatigué frère. J'espère que vous avez kiffé ce vlog. N'hésitez pas à liker, commenter, faites ce que vous voulez. En tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé. Prenez soin de vous, allez suivre Tetoche, allez suivre Chess, c'était super lourd. On s'attrape la semaine prochaine, samedi prochain pour une nouvelle vidéo YouTube. Bisous.